présente donc les invités de la table numéro 1, dédiée à la phrase suivante, au thème suivant, « Dis-moi dans quelle langue tu écris et je te dirai que tu es », à venir me rejoindre sur l'estrade. Alors, je vais vous présenter à tous ces gens à ma droite, Rocío Durán Barba. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres, romans, recueils de poésie, livres d'artistes. Vous avez publié, je vais vous d'abord vous présenter, ensuite je vais poser des questions à chacun. Vous avez écrit votre premier roman qui s'intitule « Ici ou nulle part » en 1997, traduit en français, et qui instaure un dialogue entre Paris et une équatorienne, hein, qui découvre l'histoire, les traditions, la magie et les débordements. Vous allez nous en dire un mot tout à l'heure. Votre lieu d'inspiration est à la fois votre pays d'origine, l'Équateur, mais aussi votre pays d'adoption, la France. Andra Iacovel, qui est aussi à ma droite, et vous êtes né à Lyon, vous passez votre enfance en Italie, vous revenez en France, vous vous formez à l'École nationale des beaux-arts de Lyon, puis à l'informatique. Hein, vous êtes un informaticien de formation. D'ailleurs, on sent la petite musique familière. Votre bilinguisme vous conduit à l'écriture de la poésie, toutefois, et à la traduction. Ces deux parcours, donc d'informaticien, donc de scientifique, hein, et d'écrivain, sont bien distincts et ils vont se décliner dans une double carrière, hein, qui va vous conduire en 2007 à fonder avec votre épouse les éditions La Rumeur Libre. Alors, Hugo Fracassa, vous êtes à ma gauche. Vous êtes professeur de critique littéraire et de littérature comparée au sein de l'Université de Rome III. Vous travaillez essentiellement sur les littératures italiennes multiculturelles, vous allez en dire quelques mots tout à l'heure, ainsi que sur les expériences narratives et poétiques dans le cadre de littérature italienne contemporaine. Vous êtes membre du Centre de recherche italienne, le CRIX, de l'Université Paris 10, et du groupe de recherche interdisciplinaire New Humanities de l'Université de Rome 3. Parmi vos dernières publications, Patria e lettere per una critica della letteratura postcoloniale e migrante in Italia, chez Perrone en 2012. Alors, ma première question s'adresse à vous. Je vais vous poser la question en français et vous pouvez répondre en italien. On fera un petit résumé, mais donc, tendez l'oreille, vous allez tout comprendre. Alors, c'est la question des définitions. Quelle distinction faites-vous entre littérature transnationale et la Weltliteratur qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a été ici repris en France, mais aussi dans les pays anglo-saxons, sous deux appellations différentes, la World Literature, hein, et la littérature monde, à travers notamment en France le fameux manifeste qui a été publié il y a une dizaine d'années par les rédacteurs du cahier des lettres du monde et aussi par les rédacteurs des Tonnants Voyageurs, le festival des littératures du voyage. Alors, oui, le glissant, bien sûr, mais il y avait aussi peut-être une petite instrumentalisation, enfin, je ne vais pas... mais, quelle distinction faites-vous à l'Italie de cette notion-là? Alors, je vous laisse, je tends le micro. Et je le... Merci. Ça, c'est très important. Alors potete parlare italiano. Oui, et je vais così. Changer de langue. Tout, oui, tout très bien. Oui. Dunque, per rispondere a questa domanda in breve tempo, è comunque necessario, come dire, tornare alla definizione originaria di Goethe, e cioè Weltliteratur. Sì. Nel 1827 Goethe scriveva «I prodotti delle nazioni si mescolano con tale rapidità che dobbiamo imparare un modo per reagire a questa velocità». Ecco, l'idea perciò di Weltliteratur, di letteratura mondiale, nasce allora, in un periodo di guerre napoleoniche, Goethe sì. Si occupava, diciamo, della posizione della letteratura tedesca che si affacciava in quegli anni nel contesto europeo per poi aprirsi anche all'Oriente nel divano, nella sua opera appunto di incrocio tra Oriente e Occidente. Ebbene,
Un'idea di questo tipo, che poi ha preso varie nuove denominazioni, tra le più recenti la Littérature Monde, il volume di Gallimard dopo la polemica mm-hmm. su Le Monde, ma Le Tout Monde, Totalité Monde de Glissant e la World Literature o la Worldliness di Edouard Said. Mm-hmm. Insomma, le definizioni sono molteplici, tutte derivano da un universalismo. Mm-hmm. Supposto universalismo che è certamente entrato in crisi nel secondo Novecento. Franco Moretti, in un intervento dei primi anni 2000, ha notato che l'universalismo di Goethe era un universalismo situato, in ogni caso eurocentrico. E gli studi culturali e gli studi postcoloniali ci hanno insegnato recentemente che ogni universalismo è il tentativo da parte di una nazione di assolutizzare certe caratteristiche che invece sono contingenti e storicamente mutevoli. Ti fermo. Avez-vous compris? Bon, alors je vais faire un petit résumé parce que c'est Hugo Fracassa fait l'histoire du concept de Weltliteratur, la littérature monde en traduction simplifiée. Et il explique que, en fait, cette notion renvoie à la notion d'universalisme. Et il y a la critique de cet universalisme a commencé au tout début de l'an 2000 en disant, par certains critiques littéraires, qui disaient mais écoutez, cet universalisme est un universalisme déjà instrumentalisé et notamment européo-centré, fondé sur un universalisme européen. Voilà. On est là. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quand même une instrumentalisation de cette notion? Parce que mais continuez. Comment l'Italie ou les chercheurs, les écrivains italiens travaillent cette notion d'universalisme, justement, à travers cette notion de littérature migrante? Voilà. Ecco, anche queste definizioni cambiano da nazione a nazione. È un fenomeno abbastanza recente in Italia, diciamo dai primi anni 90 in modo più consistente, ma già prima, la cosiddetta italofonia, e cioè abbiamo avuto recentemente scrittori provenienti da altre lingue e tradizioni culturali che hanno assunto l'italiano come lingua elettiva di adozione. Del resto non ci sono legami coloniali molto spesso con questi autori, perciò è veramente una scelta libera di una lingua, tra l'altro non particolarmente adatta a comunicare a livello planetario, perché è una piccola lingua, e questi scrittori avrebbero potuto benissimo scegliere tra le loro competenze, che spesso hanno, il francese, l'inglese. Ecco, questa letteratura in Italia è stata denominata letteratura della migrazione, letteratura migrante, ci fu un gran dibattito su questo nome da affibbiare. Più recentemente si è parlato di italofonia come calco sulla francofonia francese, mm-hmm. come se questo non fosse una definizione altamente problematica, come abbiamo visto con la polemica de Le Monde. Fatto sta che, ecco, il caso italiano è abbastanza particolare, perché sono davvero moltissime le nazionalità arrivate alla lingua italiana come mezzo di espressione letteraria. Ne sono state contate decine, diciamo pure 80-90 nazionalità diverse, scrittori provenienti da 80-90 nazioni che hanno assunto l'italiano. Dunque non può essere per l'Italia fatto un discorso simile a quello della francofonia, dove appunto c'è un francese come lingua imposta, o al contrario come le letterature del Commonwealth o comunque inglese, che ha una sua propaggine coloniale in India, diciamo. Okay. Donc Hugo Fracassa, dans le fil de son discours, explique la spécificité italienne qui est liée au fait que la différence de la francophonie sur laquelle est calqué le mot italophone aussi, hein, l'italophonie, qui sert de notion pour embrasser tous ces écrivains qui viennent d'ailleurs, qui sont de 80 pays différents, nous a-t-il dit, eh bien, cette italophonie, elle se différencie par le fait que
l'Italie n'a pas eu de vrai, sauf durant le fascisme, une vraie expérience coloniale. Et donc, c'est ce qui singularise et caractérise cette italophonie, c'est-à-dire cette communauté d'écrivains qui écrivent en langue italienne depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Je vous laisse continuer. Soltanto per dire che queste definizioni non sono definizioni innocenti o neutrali. Parlare di letteratura migrante piuttosto che di letteratura transnazionale o translingue implica ad esempio una selezione tematica, poiché la lingua dei migranti è la letteratura dei migranti, è la letteratura spesso che racconta la migrazione. Questo è accaduto in Germania con la Gastarbeiter Literatur, cioè la letteratura degli ospiti lavoratori. Dunque una sezione della letteratura nazionale o nella lingua nazionale che immediatamente ritaglia però anche dei temi, dei percorsi esistenziali e non dovrebbe essere necessariamente così. Chiudo dicendo questo. Recentemente su una quarta di copertina di un bel libro di Elena Janecek, che è una delle scrittrici che proviene in Italia da un'altra lingua, un trafiletto di Henri De Luca distingue tra scrittore italiano e scrittore in italiano, affermando che essere scrittore in italiano può essere qualcosa in più che non essere meramente uno scrittore italiano, cioè che si trova una lingua imposta dalla casualità della nascita. Scrivere in italiano implica una scelta deliberata e un'adozione casomai elettiva di uno strumento linguistico non necessariamente materno. Ecco, quindi si dovrebbe arrivare al punto di considerare nel nostro contesto di globalizzazione, come qualcuno diceva, la traduzione come vera lingua comune, e comunque le lingue apprese come un vantaggio e non come una menomazione o una bizzarria culturale. E questo è tutto il senso del nostro convegno. Donc je résume très très succinctement, forcément, c'est un pléonasme. En fait, ce que en conclusion Hugo Fracassa nous dit, écoutez, il faudrait considérer, en citant Henri De Luca, que les écrivains qui écrivent en langue italienne, dont ce n'est pas la langue maternelle, devraient être définis comme les écrivains qui écrivent en italien par rapport à des écrivains italiens. Et ceci devrait constituer, disons, une acculturation, parce que c'est une addition d'une langue à une autre, une culture à une autre, et donc un plus plutôt qu'un obstacle. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, merci Hugo. On va continuer cet échange qui commence déjà à être dense et riche. Et je me tourne donc vers Rocio, qui est un vrai pontife au sens de constructeuse de ponts, puisque vous construisez des ponts entre les diverses disciplines et votre pays de natal, ainsi qu'avec la France. Et ce qui vous amène aussi à avoir des coups de sang lorsqu'on égratigne votre pays d'adoption. Je pense au livre Équateur qui a été écrit, vous l'avez écrit en réaction à une citation de Michaud, je pense. Vous pouvez parler, le micro est là. Et donc, ma question, alors, qui êtes-vous comment vous définiriez-vous? Est-ce que vous êtes une écrivaine équatorienne, plutôt franco-équatorienne? Franco-équatorienne. Franco, c'est alors. Oui, franco-équatorienne. Alors, expliquez-vous. Vous dites, bon, Équateur, ce n'est pas un livre fait, je commence par ça, sur une citation de Michaud. C'est vraiment l'histoire de Michaud. Michaud est le protagoniste, Henri Michaud. Oui, oui, oui. Parce que c'est lui qui a écrit ces fameux connus journaux de voyage qui s'appelle Équateur. Et moi, j'ai écrit un roman dont lui, il est le protagoniste. Et mon roman a par titre Équateur. Très bien, bien cette distinction en fait. Alors comment, justement, ça met en lumière à la fois les contradictions. D'ailleurs, je vais dire un truc là. Oui.
Et c'est pas mon premier roman, oui, c'est mon dernier roman là tout de suite. Mon premier roman a par titre en français Ici ou nulle part, et en espagnol un titre horrible, ça s'appelle Paris sueño eterno. Donc Paris rêve éternel, qui est un cliché un peu horrible. Mais c'était choisi par l'éditeur parce qu'il m'avait dit, écoutez, c'est un livre déjà philosophique, poétique, difficile, alors si en plus on met les titres ici et nulle part, non, ça ne me va pas du tout. Donc voilà. Pour vous dire que moi, au début, j'ai écrit un livre qui s'appelle Paris, qui à Paris a été vu comme, par les éditeurs, les grands éditeurs, comment ça se fait, une équatorienne qui ose écrire Paris. Mais c'est pas vrai. Vous devez écrire Équateur. Voilà. Vous avez été renvoyé à vos origines. Ah oui, non, c'était incroyable. Et là, en l'occurrence, j'avais la joie d'avoir comme traducteur Claude Couffon, avec tout son poids et son prestige. Il était furieux, absolument furieux. Et lui a adoré les livres, il a traduit, il a remis les titres originels qui étaient ici et nulle part. Et voilà que lui-même, il m'avait dit, c'est un peu bizarre quand même de se lancer comme ça, dans la scène littéraire, déjà avec un roman si compliqué. Et en plus sur Paris, que c'est vrai, c'est un thème qui a été un peu sacré par certains écrivains, mais on le connaît bien. En vous entendant parler, ça me rappelle une citation d'un écrivain du Québec ou du 19e siècle qui expliquait dans une lettre qu'il a envoyée à un ami, si j'avais écrit, alors c'est la question que je vous la pose, si j'avais écrit en langue iroquoise, j'aurais été beaucoup mieux reçu à Paris. Alors, je vous pose la question, si vous aviez écrit en quechua, auriez-vous eu une plus grande réception? J'aurais eu un problème terrible que je ne parle pas quechua. Donc. Non, mais par exemple, une langue amérindienne, quels sont vos rapports justement avec... Je ne pense pas, parce que dans les temps, c'est quand même un livre qui est sorti il y a 20 ans. Non, mais je parle en général. Oui, mais je te dis, il y a 20 ans, ces gens de littérature n'étaient pas très bienvenus. C'est maintenant que c'est bienvenu. Maintenant, c'est maintenant que ça nous intéresse toutes les... Parce qu'à cause de la migration, le monde a changé, on vit une réalité tout autre. D'accord. Alors avant, c'était plutôt les écrivains qui étaient un peu les écrivains cosmopolites. Hein. On n'est peut-être pas trop dans cet horizon où l'écrivain était des immigrants. Là, c'était des écrivains qui étaient plutôt genre cosmopolites. On pensait plutôt à Ionesco, Beckett, ce genre d'écrivains. Des écrivains voyageurs. Oui. Et donc passait toujours par Paris. Et vous parce vous considérez-vous Paris, comme un écrivain voyageur? Plutôt. Je ne suis pas exilé. Ouais. Donc vous n'êtes pas exilé. On va revenir. Moi, j'ai eu la joie de pouvoir choisir la France comme pays d'adoption parce que je l'adore, parce que j'ai voulu rester ici, parce que j'adore la langue française. Ceci dit, au début, je n'ai pas eu l'intention d'écrire en français parce que c'est trop compliqué. En plus, j'avais un grand traducteur. Donc, voilà. C'est plus tard que je suis passée à travers un long procès où, lorsque Claude ne pouvait plus traduire parce que malade, je suis passée à chercher d'abord d'autres traducteurs. Impossible de me comprendre. J'avais travaillé avec Claude pendant très longtemps. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Claude m'avait donné quand même mon écriture en français. Ah, ça c'est intéressant. Ah, ça. C'était incroyable. Alors, dès que j'ai parlé avec un traducteur et qu'il y avait une question quelconque, il ne trouvait pas la solution. J'ai trouvé toujours la solution. Il me disait, mais comment ça se fait? Je disais, mais comment ça se fait, mon Dieu? C'était Claude. C'était les longues discussions avec Claude qui avaient duré des années, parce que j'ai travaillé avec Claude autour de 10 ans. Donc, Claude a traduit beaucoup de mes livres. Donc voilà. Et après, c'est quand même un procès. Après, j'ai passé à l'auto-traduction. Je me suis dit que c'était bien de publier les livres en français et en espagnol. Et j'ai bataillé avec cette histoire d'essayer de traduire très près du texte jusqu'à un moment donné où, impossible. Ce que je pense en français, ce que je vais dire en français, d'ailleurs, j'aime bien que ce soit français, c'est pas la même façon de dire en espagnol. Donc, je me suis mise à faire des traductions qui étaient plutôt des versions des livres.
Donc là, j'ai eu vraiment des discussions terribles avec les traducteurs pour me dire, mais ça, ce n'est pas du tout une traduction. C'est vrai. Moi, quand j'ai fait un livre dans les deux langues, c'est plutôt des versions. Il y a une version française et il y a une version espagnole. Mais j'ai arrêté ça parce que trop de travail. Oui, trop de travail et j'ai trop de thèmes, trop de choses qui m'intéressent. Mais maintenant, maintenant, j'écris en français. Directement. Oui. Ça, c'est intéressant, ce cheminement qui est au cœur même de la machine de l'écriture. Enfin, pourquoi je vais dire un truc? Oui. C'est la langue d'accueil qui finit par engloutir les écrivains. Parce que voilà. Maintenant, ma langue maternelle a disparu. On va y revenir. À ce point, vraiment? Alors, je pose la question à Andrea Iacovella, qui est le premier produit du bilinguisme et biculturalisme transalpin. Alors, pourquoi vous, qui êtes un scientifique et aussi un humaniste, puisque avez choisi le français alors que vous auriez pu très bien écrire en italien? Bon, alors, on va le laisser répondre. Alors, pourquoi le français et qu'est-ce qui vous a... Puisque je vous rappelle, pour la préparation de cette rencontre, vous disiez que votre famille est aussi une vieille famille romaine qui a construit la Rome baroque certains des grands chefs-d'œuvre de la Rome baroque. Alors, vous... Bon, alors c'est toujours un peu compliqué de revenir sur une vie entière. Mais bon, je vais prendre les choses un peu différemment. Oui, allez-y. On va repartir de cette... je pensais à l'introduction de Dante dans le De Vulgari Eloquentia, oui. Quand il fait cette distinction entre la langue que nous a donnée et puis celle vers laquelle on va. D'accord. Pour moi, il n'y a pas véritablement de langue d'accueil ou autre. Il y a la langue vers laquelle on va. Et puis, il y a évidemment ce qu'on nous a donné, ce qui nous a accueillis, ce qui nous a inscrits dans ce que nous sommes. Hein. S'il y a un acte d'inscription initiale, on va l'appeler un peu comme ça, pour s'entendre, on va dire il y a une langue natale, et puis il y a la langue tout court vers laquelle on va. Après, il y a des modalités, il y a des règles, il y a des choses dans lesquelles on rentre, il y a des ordres dans lesquels on rentre, donc évidemment... Hein. Mais véritablement cette distinction que je mettrais donc, sous les auspices de Dante pour commencer ma vie, c'est que je me suis... je suis né en France, c'était juste un accident, je suis juste retourné à Rome après. Et en fait, à un moment donné, donc, ma mère, qui retrouvait mon père, elle était séparée, m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes à Rome avec la famille ?» Effectivement, vieille famille italienne, De Sanctis, l'architecte qui a fait l'escalier de la place d'Espagne. Et donc, on dit « Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes à Rome ou est-ce que tu viens en France ?» Et puis, j'ai dit « Non, je vais aller en France. » Je n'avais jamais eu l'idée qu'un jour, je pourrais aller en France, même si j'étais né là. Et du coup, je me suis retrouvé effectivement en France. Mon père était ouvrier, vous voyez, il était ouvrier, c'était un métallo, il travaillait en usine. Et il avait fui l'Italie en 1947, disait-il, parce que l'Italie était passée à la République, elle était passée à une bande de voleurs, donc du coup, il avait quitté l'Italie. Là, je vous donne la version dans le texte en français. Mon père parlait très peu français, et ma mère encore moins. Donc, c'est des choses italiennes, banales. C'est ce milieu immigré dans lequel j'ai débarqué, à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Il vivait là. Et il se trouve que c'est l'instituteur de Vénissieux qui m'a vu arriver. Donc, c'est la République française. C'est l'instituteur qui me voit arriver un matin, je ne parlais pas un mot de français, qui m'a dit « écoutez, en gros, asseyez-vous là ». Alors, il écrivait au tableau pour que je puisse recopier sans faire de faute d'orthographe. Et puis, il me prenait une heure avant, le matin, pour m'apprendre la langue française, et il me gardait une heure après, le soir, après la sortie. Bref, je vais aller vite. Pendant 3 ans, 4 ans, j'ai eu comme ça des enseignants magnifiques qui me prenaient chez eux le samedi, le dimanche, pour m'apprendre la langue française. Donc, je suis rentré dans la langue française, vous voyez, vraiment par un accueil, mais qui a été un accueil physique, Et en même temps, cet accueil physique n'était pas neutre. C'était celui de la République française. Voilà, donc, comment, en fait, j'ai débarqué dans Baudelaire, dans Nerval et dans tout le reste. 5 ans après, j'étais ingénieur.
et j'ai fait ingénieur en informatique. Ça a été ma révolution à moi. En 68, j'étais dans l'usine occupée avec les drapeaux rouges, le portail était soudé. J'ai fait tout 68 à amener à manger aux grévistes et à écouter tous les discours. Et puis après 68, évidemment, la révolution étant faillie, je veux dire, j'ai fait mon chemin, vous voyez, on va vers la langue comme ça, hein, je veux dire, je suis toujours dans la langue, hein, je ne suis pas dans l'histoire, hein, je suis toujours dans la langue. Et puis, à un moment donné, effectivement, je me suis retrouvé avec le fait que, bon, avec toutes ces faillites, les unes après les autres, eh bien, j'ai choisi l'informatique, j'ai choisi le digital, j'ai choisi le scientifique. Et vous voyez, 50 ans après, j'ai fait que ça comme métier. Alors, je le précise, je suis ingénieur, hein, je suis ingénieur. C'est toujours compliqué de dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? En fait, je suis un ingénieur, mais peut-être probablement un ingénieur un peu marqué un peu par ma culture d'origine, c'est-à-dire au sens de l'ingénieur universel. Effectivement, j'ai fait un doctorat en langue et civilisation ancienne, j'ai publié des choses là-dedans, bon, d'accord. Ça a été ma vie, et j'ai fait ça vraiment sans aucune difficulté. Mais je l'ai fait avec cette langue qui m'a accueilli, et j'ai adopté donc le français, mais j'ai vécu 10 ans en Grèce, enfin, j'ai 64 ans, j'ai passé pratiquement 30 ans de ma vie à l'étranger, quoi, hein, voilà. Mais, avec cette particularité, je vais juste vous donner une anecdote, je me retrouve, donc, j'étais directeur d'unité CNRS, et je me retrouve aux États-Unis en train de faire une tournée pour présenter un projet international, projet que j'avais moi-même designé, comme on dit, hein, conçu. Et le directeur général m'avait dit, écoutez, Andrea, maintenant qu'on a les sous, on a tout, il faudrait aller présenter ça un peu dans les grandes universités américaines. Et je me retrouve donc à New York, et je suis reçu par un organisme, un grand organisme scientifique. Alors j'avais passé la nuit à Princeton, j'étais hébergé par un ami donc, de l'université de Princeton, à corriger le PowerPoint. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que d'expliquer à un Américain ce que c'est que l'enseignement supérieur français. Je dis, vous en avez pour des mois. Donc je lui fais corriger le PowerPoint, je lui dis, tu es sûr Charles que là, bon, ça va comme ça. Alors, on arrive donc là, et puis je présente mon PowerPoint. J'avais la directrice de cet institut qui était devant moi, un profil plutôt, vous voyez, de femme presbytérienne, côte est américaine. Il n'y a pas une poussière qui dépasse, tout est strictement parfait, mieux qu'une statue grecque. Et alors, du coup, bon, voilà, je finis mon truc, et à midi, elle me dit, écoutez, est-ce que ça vous ferait plaisir? On vous invite à déjeuner. Et je me retrouve sur la 40e, on rentre dans un restaurant, il y avait des photos de Frank Sinatra partout. Voyez. Alors, vous voyez, je représentais la direction générale du CNRS avec mon accent français que vous entendez là. Et donc, voilà, avec le bleu, blanc, rouge, la cocarde et tout, ça ne faisait aucun doute. Et donc, je me retrouve dans ce restaurant avec des photos de Frank Sinatra partout, avec des limousines à 6 portes, enfin bon, voilà, la totale, quoi, hein, new-yorkaise. Et là, en plein milieu du repas, ma directrice presbytérienne commence à lâcher un peu prise sous l'effet du vin blanc italien, et elle me dit, ah, oh, vous savez, monsieur Iacovella, votre accent italien est magnifique. Ah, voilà. Chasser le naturel, voilà. Il revient au galop. Ce que je peux vous dire, ce que c'est que le transnationalisme, ce que c'est qu'un Italien. Et ça a été comme ça toute ma vie. Je me suis retrouvé en Grèce, parfaitement italien. Je me suis retrouvé dans les grands organismes internationaux en train de représenter la République française. Croyez-moi, ça ne m'a jamais perturbé. Mais il semblerait que les gens qui m'écoutaient, quand j'essayais de parler dans leur langue, quand je parle en grec, quand je parle en anglais, quand je parle en allemand, etc., en fait, eux ne s'y trompent pas. Ils me disent, mais c'est fantastique, vous êtes vraiment un Italien extraordinaire. Voilà, ouais, j'arrête là. Mais oui, mais ça évoque votre propos, cette anecdote évoque justement cette posture ambivalente que vivent tous les migrants, d'une certaine façon, d'être reconnus pour faire pointer leur origine malgré tout, même si on veut la travestir ou bien la cacher, elle a surgi toujours au moment le plus inattendu. Alors, justement, cette posture
particulière qui se trouve entre deux cultures, entre deux langues, comment ça se concrétise au niveau des styles des écrivains que vous étudiez? Quelle est leur caractéristique? Est-ce que c'est une écriture plus néo-réaliste? Comment les écrivains qui italophones, justement, pratiquent la langue? Anche in questo caso è un problema di accento, come sentivamo dire adesso. Ah, ecco. Pensavo al fatto, all'aneddoto che riguarda Roman Jakobson, pare che conoscesse 17 lingue, ma tutte in russo. E dunque, dietro la lingua appresa resta un accento. Questo ha a che fare anche con lo stile della scrittura. Si può restare uno scrittore italiano anche scrivendo in inglese. Emanuele Carnevali, uno scrittore partito da Firenze, giovanissimo, adolescente, arriva a New York e poi a Chicago e cambia le sorti della poesia statunitense in quegli anni, entrando nella rivista Others, causandone la chiusura. C'è una importante lettera di William Carlos Williams che si rivolge appunto a Carnevali e dice: sei arrivato tu e qui i nostri valori della poesia sono cambiati. Tuttavia, Emanuele Carnevali faceva negli Stati Uniti, uh-huh, in lingua statunitense appresa per strada, uh-huh, ciò che i vociani facevano in Italia, cioè trasferiva la cultura di origine in una nuova lingua. Questo è un fenomeno che ho potuto riconoscere anche negli scrittori cosiddetti migranti in Italia. E cioè, dopo una primissima fase di, adozione della lingua e dunque anche della cultura e della tradizione, molti di questi autori della migrazione hanno dei modelli italiani. Ci sono scrittori che hanno guardato a Carlo Emilio Gadda per scrivere romanzi romani, Amara Lacus. Oppure ci sono poeti che hanno guardato a Dino Campana per scrivere i loro versi. Ghezzi Maidari è un poeta che è originario dell'Albania. Ebbene, che cosa accade? Dopo questa prima fase di acquisizione elettiva, talvolta entusiastica, comunque convinta, accade che con il passare del tempo la cultura e anche la lingua d'origine torna a farsi sentire e traspare dietro i versi, all'inizio attraverso i cavalli di Troia della toponomastica. I nomi dei luoghi non possono essere tradotti. E questi sono un'avanguardia della lingua e della cultura tradizionale che torna. È un fenomeno che ho potuto riscontrare in molti autori, però forse dovendo tradurre mi fermo. Sì, devo fare un riassunto breve. Allora, en fait, on parlait d'accent. Bon, Andrea Iacovelli a parlé de justement cet accent qui surgit sans qu'on le sache, sans le vouloir. Je l'ai moi-même expérimenté en Italie. On m'a dit, vous parlez formidablement bien pour un Français, alors que je n'étais même pas Français à l'époque. C'est vrai. Bon, bien, cet accent, eh bien, ça se traduit à travers, justement, au fil des ans, à travers les styles, la transposition des styles. Alors, Hugo donne l'exemple de Carnevale, qui est un auteur important, qui a transformé la scène poétique new-yorkaise dans les années 50-60. Non, c'était les années 20. Oui, plutôt. Et il évoquait un propos d'un grand poète, William Carlos Williams, qui lui disait: mais comment tu as fait? Et en fait, il avait simplement transposé, c'est la notion de transposition des modèles ou des structures de la syntaxe, d'une certaine façon peut-être, du pays d'origine, de la langue d'origine vers la langue d'accueil. Et cela se traduit également au fil des ans par la toponymie qui est intraduisible, les toponymies des lieux. Voilà. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que ça tient la route? Est-ce que, à travers cette transformation syntaxique qu'on peut comprendre du rythme, le rythme est aussi très important, est-ce que finalement on évite les pièges d'un néo-réalisme qui finalement n'est pas très intéressant? Moi, l'analyse que je fais, parce qu'on, est-ce que il y a, et bien sûr, des auteurs qui arrivent
à transposer, à transcender tout cela, mais est-ce qu'on n'a pas de, le, on se trouve pas vers une littérature qui va vers une espèce de néoréalisme un peu convenu, avec des thématiques du retour au pays d'origine qui reste très, très, très télégraphié, pour ne pas dire téléphoné. Rapidement, professeur. Oui, non è facile rispondere perché esistono vari livelli e varie modalità di italofonia, o comunque gli scrittori migranti non scrivono tutti la stessa storia. Ci sono scrittori arrivati alla nostra lingua che fanno parte a tutti gli effetti del cosiddetto global novel, e cioè scrivono romanzi che possono essere tradotti e sono tradotti e letti nel mondo. Penso ad un autore venuto dalla Transnistria, comunque da uno dei paesi dell'arcipelago sovietico, Nikolaj Lilin, che ha scritto dei romanzi che sono diventati dei film. Salvatore è un premio Oscar che ha portato sullo schermo Educazione Siberiana. Ecco, lì siamo in un contesto di letteratura globalizzata, di global novel. Esatto. Un altro discorso invece è quello degli scrittori della migrazione che restano magari più vicini ai temi del loro dispatrio, del loro viaggio migratorio e così via. Però, come dire, qui si apre veramente una faglia tra questi due versanti, e vorrei magari chiudere su questo perché sì, secondo me è una distinzione che va fatta. Mi è capitato di pensarci qualche tempo fa ascoltando una scrittrice africana, centroafricana, che rifiutava per sé la dicitura, che adesso è abbastanza corrente, di Afropolitan. C'è questa generazione di scrittori Afropolitan, cioè scrittori nati in Africa ma formati nelle grandi università statunitensi, inglesi, eccetera, che costituiscono una specie di elite transnazionale di scrittori africani. Ebbene, questa scrittrice rifiutava questa dicitura perché appunto riconosceva in questa dicitura cosmopolita di afropolitano una sorta di elite transnazionale della migrazione. Ecco, e c'è invece dall'altra parte una migrazione necessitata che necessariamente incide anche sui temi che vengono narrati. Questo credo sia una distinzione da fare. Amelia Rosselli, che è uno dei più grandi poeti italiani del secolo scorso, possedeva tre lingue, anche qui per ragioni traumatiche e necessitate. Amelia Rosselli ci teneva a sottolineare il fatto di non essere cosmopolita. A chi le chiedeva, lei scrive in tre lingue, ha questo vantaggio, diceva: noi non eravamo cosmopoliti o apolidi, riferendosi alla sua famiglia, lei da bambina, al suo errare in Europa. Eravamo dei rifugiati. E dunque il trauma dell'esilio, come Edouard Said ha ben raccontato e spiegato nel suo libro, appunto, i suoi studi sull'esilio, è qualcosa che incide fortemente nella scrittura. E questo fa un po' la differenza tra questa elite transnazionale di scrittori translingui, siano essi africani o orientali molto spesso, e invece gli scrittori delle migrazioni, che scelgono lingue in tutto il mondo e narrano però di cose molto simili. Grazie. Questo, ça c'est, en fait, j'ai demandé, alors je vais traduire rapidement. Eh bien, Hugo Fracas a fait une distinction entre effectivement les écrivains qui sont liés à cette world literature, qui ont déjà leur réseau et qui développent des thématiques qui sont celles de la du voyage, de la traversée des cultures, et aussi à travers tout un imaginaire qui est assez bien marqué par l'exotisme, je dirais, pour faire court. Hein. Et ceux qui viennent d'un autre milieu, hein, qui sont moins favorisés, et qui viennent d'un milieu plus populaire, qui ont expérimenté dans leur vécu, à travers l'expérience familiale, l'expérience de l'immigration proprement parlée, et qui sont plus rattachés, si vous voulez, à exprimer le temps du départ, de la traversée liée à l'arrivée au pays d'accueil. Et à cet égard, Hugo Fracassa cite Amelia Rosselli, une des grandes poétesses
du siècle dernier qui expliquait qu'elle, si elle était, qu'elle recusait le terme de cosmopolite. C'est un terme qui a aussi été très marqué dans les années 30, souvenez-vous, avec aussi les dérives que l'on imagine. Et il expliquait qu'elle se définissait comme une réfugiée, et non pas une cosmopolite, en renvoyant donc à dos à dos, disons, ces catégories qui marquaient, disons, un emprisonnement dans des notions qui ne permettaient pas d'appréhender la complexité de l'acte d'écrire, finalement. Donc voilà, résumé. Merci. Neanche la scelta della lingua è sempre un elemento di felicità e di adozione. Ovidio, nel suo esilio a Tomi, scriveva «Credemi, timeo ne sint in mixta latinis inque mei scriptis pontica verba legas». Cioè, ho paura che tu legga nelle mie parole latine, scrivendo alla moglie, parole del ponto che si stanno infiltrando. Dunque, anche il passaggio di lingua può essere vissuto con inquietudine, non con felicità. Sì, ah bon, allora, si t'en vide en latin. Hugo expliquait qu'en fait, le passage des langues n'est pas simplement n'est pas quelque chose de facile ou de joyeux. C'est aussi quelque chose d'inquiétant. Et donc, ça me permet de rebondir, justement, pour vous demander à Rocio, justement, cette inquiétude. Je crois que c'est très bien. Qu'est-ce que vous l'avez vécu? Vous avez vécu cette inquiétude? Je voudrais dire qu'il y a une petite différence dans le travail de traduction. Qu'il faut faire aussi là sur ce que vous avez dit, parce que c'est une chose aussi. Ça dépend de l'âge des écrivains. On ne peut pas parler des cosmopolites dans différents âges. Donc, si quelqu'un est né dans le cosmopolitisme, c'est une chose. Mais un immigrant, ça n'a rien à voir avec ça, même si il est né aussi dans une sorte de cosmopolitisme à cause de voyages forcés, pour ainsi dire. Donc quelqu'un qui émigre ou qui s'installe dans un pays à un âge très, très, très jeune, vers 7 ans, 5 ans, ça n'a rien à voir avec un écrivain qui s'installe dans un pays avec une vingtaine d'années. Et c'est là où je crois que c'est peut-être plus important de parler vraiment des écrivains étrangers qui s'installent dans un pays autre. Et dans ces cas, donc, en plus, les uns qui sont privilégiés, pour ainsi dire, parce que c'est des écrivains voyageurs, et les autres qui sont des persécutés, des immigrés, souffrent quand même, j'y reviens donc à la question, ils souffrent les deux d'abandonner son pays, d'avoir quitté les pays. Car quitter les pays, c'est abandonner beaucoup, c'est abandonner sa maison, sa famille en tout premier, sa maison, ses amis, ses relations, c'est tout abandonner, c'est un peu abandonner son âme. Mais en plus, pour un écrivain, c'est autre chose, c'est abandonner sa langue, c'est abandonner son écriture, c'est se confronter dans un autre milieu qui pose tout de suite une culture à l'avant qui est tout autre. Donc, pour un écrivain, c'est un peu la désorientation face à une écriture autre, pas de possibilité. Comment faire pour survivre, pour communiquer? Donc, c'est tout de suite là que se pose le problème justement de la traduction. Mais les uns et les autres sont forcés de passer par là. Et les uns et les autres vont vivre l'angoisse de déracinement et de toute façon de savoir installer ailleurs. Et d'ailleurs, de vivre, donc, d'initier une vie qui est face à un défi ou qui se tourne en une aventure heureuse ou malheureuse. Merci, merci Rocio. Je me tourne vers Andrea. Alors là, je vais parler à l'informaticien que vous êtes, ingénieur informaticien, sur le langage machine. Le langage machine est devenu la lingua franca de notre monde. C'est elle qui est la langue universelle et qui fait peser sur la liberté d'expression. Il y a beaucoup de films et de romans de science-fiction qui l'ont évoqué déjà. Une certaine menace dans la mesure où c'est le langage machine qui parle à d'autres machines dans cette langue universelle est aussi une manière d'une forme d'aliénation. Alors,
Est-ce que c'est notre nouvelle langue universelle? Et comment vous vous posez, vous, en tant qu'écrivain et éditeur, hein, nous sommes à la veille du marché de la poésie qui commence demain. Alors, comment voyez-vous, vous qui êtes informaticien, cet avènement d'une langue machine universelle qui, comme à l'instar de Matrix, tout ce monde a vu, se souvient du film Matrix, pèse sur nous comme une épée de Damoclès, ou pas, peut-être que c'est un fantasme. Votre réaction? Écoutez, je ne crois pas, hein, je veux dire, à un discours anxiogène ou apocalyptique sur le langage machine, mais je vais répondre à la question, peut-être en passant par l'édition, oui. Hein, d'une part, mais pour ce qui est de la digitalisation, comme on dit aujourd'hui, pour citer un linguiste français, en fait, nous avons affaire à une nouvelle grammatisation des activités humaines. Expliquez. Et sociales. Alors. Attendez. Donc, ça veut dire que c'est M. Roux, hein, donc, hein, Sylvain Roux, qui est l'auteur de ça, de cette expression, que je reprends volontiers parce qu'effectivement, il ne s'agit pas tant de changer ce que nous faisons que le code dans lequel c'est fait. Et ça, je cite, en parlant du code, hein, c'est Pasolini qui, parlant de la poésie, disait « Le travail du poète n'est pas de réinventer, mais de réencoder. » Donc, pour moi, la question digitale, elle se pose en termes d'une nouvelle grammatisation des activités. Maintenant, je vais revenir sur la question peut-être de l'édition, avec cette distinction initiale que j'ai faite tout à l'heure entre la langue natale, entre ce qui nous a inscrit, sur lequel nous ne pourrons pas grand-chose, d'une certaine manière, sinon c'est de porter, d'accord ? Et puis la langue vers laquelle on va. Et volontairement, je disais tout à l'heure, la langue vers laquelle on va, il n'y a pas de langue précise, il y a une langue vers laquelle on va, puisque c'est effectivement nous qui nous engageons donc dedans. Donc cette distinction que j'ai empruntée au passage à Dante fait que, pour celui que je suis aujourd'hui, la langue française, c'est une sorte d'instrument, comme un musicien qui joue de son instrument. Et d'ailleurs, les auteurs qui sont là l'utilisent à merveille, leur instrument. Donc il s'agit d'un instrument vers lequel, effectivement, que l'on utilise. Et j'ai toujours cette sensation, même quand je vous parle là en français, que effectivement, eh bien, tout ce qui est inscription incarnée, rythmique, sonore, la scansion rythmique de l'être, Mallarmé, hein, donc hein, l'expression est mallarméenne, c'est effectivement quelque chose qui peine. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sorte d'exode vis-à-vis de ma langue natale. Et je ne crois pas, disant qu'il y a un exode de ma langue natale, que je ne parle que de moi. Je suis convaincu que ce rapport que chacun a à sa langue natale impose une forme d'exode si tant est qu'on va dans la langue. Plus on va dans la langue, plus cette question de l'exode est forte, est présente, et nous devons l'affronter. L'éditeur que je suis, pour aller vite, fait que probablement, cette déformation, ce handicap, cet accident de l'histoire qui fait que je l'ai assumé en tant que tel, fait que lorsque je reçois un manuscrit ou lorsque je lis un auteur, eh bien j'ai toujours ce clivage, cette ligne de coupure qu'il y a dans ce que je lis entre ce que l'auteur ou le poète, hein, je veux dire encore plus, puisqu'on demande au poète de ressentir ce qu'on ne demande pas spécialement à l'auteur. Mais je veux dire, le poète à qui on demande de ressentir, il se trouve devant ce dilemme fondamental entre ce qu'il doit faire de ce qu'il ressent dans la langue dans laquelle il va. Et ça, c'est, à mon sens, toute la question de l'édition. Alors, d'où le fait que ma lecture est une lecture d'éditeur. Vous voyez, quand je prends un manuscrit, c'est comme ça que je le lis, avec cette coupure qui passe dans les phrases, dans les mots, dans les sonorités. Une chose, c'est par exemple lorsque
lorsque je dans la phrase, eh bien, l'auteur, tout d'un coup, il vient à chuter, comment est-ce qu'il va repartir? Eh bien, l'auteur ne peut pas repartir sans sa langue natale. Il ne pourra jamais se relancer sans sa langue natale. Il y a donc un rapport qui est obligé, qui est obligatoire. Et ce rapport inscrit le drame de l'Exode qui est vécu en chacun de nous. Voilà. Merci, merci. On va vous embrasser large. Effectivement, on retrouve toute la culture humaniste grecque aussi à travers les mythes, et je vous remercie. C'est une belle conclusion, et je me tourne donc vers le public pour prendre vos questions et alimenter ce débat qui est très bien lancé avec nos invités. Alors, oui. Une définition, en fait. Ben, pour moi, enfin, c'était la langue informatique 1.0. Oui, c'est la numérisation. En fait, il y a tous les protocoles. Vous avez raison de dire que vous évoquez de la grammatisation de la langue. C'est que là, tout un chacun, vous constatez qu'on est dressé, on est un peu dressé, entre guillemets, à notre regard assez autrement, à regarder les pop-up, regarder les messages. Il y a tout un apprentissage, un dressage de l'œil. Enfin, moi, vous pourrez me contredire ou compléter, que nous subissons depuis une vingtaine d'années, qui va aussi formater, disons, hein, c'est le cas de le dire, reconfigurer notre façon de voir le monde et de le percevoir, un peu comme la grotte, la fameuse grotte de Platon, où on voyait les ombres sur la cave, où l'homme voyait les ombres sur le paroi de la caverne et il pensait que c'était la réalité. Et un peu cette formatisation, on l'a vécu même du temps des Grecs. Alors je crois que Socrate se plaignait en disant, écoutez, on est en train d'inventer l'écriture écrite, donc on va parler comme des livres. Et on n'aura plus le rapport à la parole comme on l'avait précédemment. Enfin, donc, les changements technologiques sont aussi très importants. Enfin, excusez-moi d'avoir d'autres questions. Peut-être, Andrea, vous voulez me compléter. Je crois que pour donner une autre figure, hein, peut-être, c'est de dire que cette langue qui permet de reconfigurer nos activités est basée sur un formalisme. Vous avez donné l'expression. Et ce formalisme est une sorte de dénominateur commun, c'est-à-dire ce qui tue les différences, d'une certaine manière. Alors que, lorsque vous allez dans la langue, vous ne pouvez y aller que par cette prise de distance, par cet écart que vous imposez à vous-même. Donc, d'un côté, on est dans l'expérience de la langue qui est incarnée, dans l'autre, on va dire, on est dans ce processus de communication, de globalisation, dans lequel on cherche une forme de koiné. Hein, je veux dire, à l'époque grecque, il y avait une koiné linguistique, on utilisait du grec dans tous les coins du monde méditerranéen pour les échanges et tout. Ben, disons que cette langue que vous appelez universelle aujourd'hui est en fait une forme de koiné contemporaine. À la différence de l'ancienne, c'est qu'elle recode, hein, véritablement, toutes nos activités. Mais je ne crois pas du tout qu'il y ait une menace quelconque là-dedans. Je crois que ce qu'elle nous impose, c'est effectivement ce qu'elle nous oblige à faire, c'est de ne pas céder au mythe que, comme quoi on pourrait se contenter de la communication. Le mythe de la communication comme fondateur d'une nouvelle forme d'humanité est mort avec l'informatique. Je suis très heureux d'avoir fait cette révolution depuis 50 ans. Ça nous oblige à prendre le risque et à nous embarquer comme Ulysse pour aller loin, je veux dire, et avec le risque de ne pas revenir. Donc, je veux dire, mais c'est ça que ça nous impose. Si on veut être représenté encore quelque chose aujourd'hui, on ne peut le faire que sous ce risque-là. Très bien, merci, monsieur. Alors, Malik et madame. Je suis un peu interloqué de vous entendre dire, que passer d'une langue à une autre est inquiétant. Oui. Je suis un peu interloqué de vous entendre dire que passer d'une langue à une autre est inquiétant.
Comment inquiétante? Ou dans quel sens? Qui veut répondre? Non, non, c'est où? Moi, j'ai rebondi. Poi traduce, mi sembra. In realtà, sì, molto brevemente, nessuno qui ha detto che il passare a un'altra lingua è inquietante, tout court. Ho soltanto voluto sottolineare il fatto che non sempre migrare verso una lingua è soltanto un gesto di elezione felice ed entusiastica. E ho citato dai Tristia di Ovidio, un poeta latino, una sua opera intitolata non a caso Tristia, un'opera scritta in esilio, dove tra i vari dolori dell'esilio, dell'espatrio, c'era questo dolore di sentire la propria lingua contaminata, insidiata da una lingua diversa verso la quale nessuno aveva scelto di andare, ma dove ci si era trovati. Dunque era soltanto un modo per, come dire, attenuare l'idea di un translinguismo felice che ha fatto, io credo, in questi anni nella critica dei danni, ha creato una retorica appunto della creolizzazione non sempre fondata. Alors, Hugo Fracassa nuance, explique en fait qu'il voulait simplement préciser et commenter en citant Ovid, qui, dans son exil et dans une œuvre qui s'appelle La Tristia, évoquait justement la mélancolie, disons, que provoquait chez lui le fait de voir sa langue contaminée par d'autres langues, et que ce transfert linguistique ne se fait pas toujours dans la joie, et il s'opposait à cela, à cette idée reçue qui est véhiculée par ceux qui défendent une mondialisation heureuse, que cela se fait dans la joie, dans la bonne humeur. Il voulait simplement nuancer cet aspect-là. Malik, moi, je n'aurais pas parlé d'inquiétude, j'aurais parlé d'intranquillité. Et je pense que passer d'une langue à l'autre nous met dans une situation d'inconfort. Et d'ailleurs, c'est une situation tout à fait favorable à l'écriture et à la poésie, à la création. Et je pense, pour un écrivain monolingue, c'est toujours plutôt un problème de se remettre en exil par rapport à sa propre langue. Pour nous, c'est un peu plus facile, parce que nous sommes automatiquement en exil, donc c'est presque... Pour nous, les écrivains bilingues, enfin, multilingues, nous sommes forcément en exil par rapport aux mots que nous utilisons. Et cette intranquillité nous met automatiquement dans une situation qui est plutôt favorable à la création. Je pense que c'est un handicap pour les écrivains monolingues, enfin en tout cas une difficulté pour eux. Nous sommes assez chanceux par rapport à ça. Et je voulais illustrer cette réflexion par le fait, ce que disait Andrea tout à l'heure, quand nous sommes à l'étranger, enfin nous sommes toujours à l'étranger quelque part, mais quand nous sommes à l'étranger par rapport à la langue que nous utilisons régulièrement, c'est-à-dire en ce qui me concerne, quand je ne suis pas en France ou dans un pays francophone, il se passe quelque chose tout à fait étonnant, ce que vous avez illustré avec ce restaurant, parce qu'on n'est ni, en ce qui me concerne, je suis ni dans la langue allemande, ni dans la langue française. Et je peux donc, d'une certaine manière, enfin, je suis, c'est très curieux parce que je peux utiliser le même mot, enfin, je dis dans ma tête, je veux nommer ce piano et j'ai deux mots que je peux utiliser. Et ces deux mots transportent complètement autre chose. Si j'utilise le mot français, enfin, c'est pas seulement le mot, c'est tout ce qui est transporté avec le mot. Et d'une certaine manière, je peux choisir entre les deux et les deux ne veulent dire absolument pas du tout la même chose. Donc nous avons cette distance, double distance par rapport, le mot ne désigne pas l'objet, parce que déjà il y en a deux, il y a deux mots pour le même objet, et moi-même je suis distant par rapport au mot. Donc il y a une sorte de double intranquillité qui s'installe, et nous sommes donc doublement chanceux, parce que nous avons plusieurs langues. Et quand on revient dans l'espace,
de la langue quand je reviens en France. Je reviens pas en France, je reviens en français. Voilà. Merci de cette réflexion, Andreas. Eh bien, non, c'est vrai que je peux être témoin, oui, parce oui. qu'il crée sa langue en tant que romancier, hein, langue natale allemande, langue vers laquelle il a été pour écrire ses romans en français, il crée une autre langue. Mm-hmm. J'en suis témoin, je trouve ça exemplaire. On peut dire la même chose de Rossio d'ailleurs. Simplement, après, j'aurai l'occasion d'intervenir sur ces choses à ma façon. Moi, je voulais dire, tout est bien, tout est mal. Et je dis une chose ironique en partant de la citation d'Ovide, et je me demande si la présence d'Ovide dans les îles n'a permis, en partie, lui aussi, que la Roumanie est aujourd'hui la seule langue. Le seul pays avec une langue néo-latine entourée de pays slaves. Par exemple. C'est une belle réflexion. Intéressant. Oui. Alors, d'autres. Moi, je veux bien faire une intervention sur différents sujets qui ont été évoqués. Moi, je. Pardon, excusez-moi. Non, je vais être court. Oui, je voudrais juste dire un mot pour ce que tu viens de dire, Andreas. Je pense pas que j'ai créé une autre langue, d'ailleurs, c'est Sylvestre qui a évoqué ça. Non, je pense pas que j'ai la chance de faire une autre langue. Non. Moi, j'ai la prétention d'écrire en français. Mais il est vrai qu'on ne se sépare jamais de sa langue maternelle. Et que de toute façon, un écrivain va y mettre du sien dans la langue étrangère. Et justement, ce qu'on dit, je ne dis pas quelque chose de nouveau, on a dit ça de Ionesco, de tous les grands, de Kundera, Senghor et tous les autres. Où est-ce qu'il était vraiment la richesse de leur littérature? C'était vraiment dans le fait qu'ils apportaient un renouveau à la langue française, quelques tournures, quelques portes et fenêtres qui s'ouvraient, parce que c'est quand même une autre façon de traiter la langue, même si ça restait vraiment français. Voilà. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que, comme le disait Gaston Miron, j'écris pas du français ou traduit du, j'écris du Miron. Rossio, elle écrit du Rossio, et Becker, elle écrit du Becker. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas à partir de n'importe où, c'est ça quand même. Il y a un enrichissement, parce que Rossio, elle ne le dit pas, mais elle redouble beaucoup de mots, elle met des ponts, elle met des traits d'union ou des barres, ça veut dire qu'elle a besoin de cette passerelle, et il fait à sa manière un travail sur la langue exceptionnel. C'est ça que je veux dire, c'est la langue de l'écrivain. Si je me permets, ça, c'est pas non plus normal en espagnol. J'écris comme ça en espagnol. C'est un style. Donc, c'est pas l'espagnol. Hein. J'invente en français. Et je n'écris que comme ça en français. C'est mon style en espagnol et c'est mon style en français. Je le sais. Voilà. Mais c'est parce que c'est pas que j'invente une langue. Tu as cette dualité en toi qui fait que tu. Un petit mot parce qu'on n'a pas répondu quand même ta question. Non, dans quelle langue est-ce qu'on écrit? Moi, je crois qu'on écrit dans la langue où on les sent au moment donné, parce que ça dépend même de où on se trouve, en quelle situation. Oui, c'est toujours ça. Dans un voyage, par exemple, c'est sûr que si je suis en Équateur, je vais écrire en espagnol, ça c'est sûr. Et vous, Andrea, vous écrivez quand? Ah non, moi, c'est la guitare, c'est le piano. Hein, je veux dire, c'est quelque chose de totalement distant, parce que si cette prise de distance entre le natal et l'instrument n'y est pas, j'ai le sentiment de toute façon que la réalité devant laquelle je me trouve, effectivement, va être altérée d'une certaine manière. Donc je préfère un contact qui soit effectivement physique. Je voulais juste intervenir par rapport à la remarque d'Andreas, il y a plein d'Andreas ce matin dans la salle, et c'est effectivement, il y a une sur la question de la traduction. Juste une petite note, c'est moi qui suis intervenu au sommet de la francophonie, je ne sais plus en quelle année, je représentais le CNRS, et le directeur du CNRS me croise rue Michel-Ange, il me dit, au fait, André, il y a le sommet de la francophonie, cette année, c'est les enjeux cognitifs de la traduction.
Alors, ça te va bien, tu vas représenter le CNRS, tu vas y aller. Donc, vous savez, vous avez 8 minutes pour présenter ça devant un parterre de 540 responsables d'établissements qui ont choisi le français comme langue d'échange. C'est la définition de la francophonie. Ce n'est pas du tout une langue qu'on impose, c'est une langue d'échange. Donc, j'avais comme ça, alors je suis arrivé 48 heures avant, je n'avais pas bien sur la traduction. Et en fait, m'est revenu juste les deux modèles théoriques que Andreas vient de donner, deux modèles théoriques qui sont hérités du 19e et qui sont d'ailleurs d'origine allemande. C'est le premier modèle, c'est ça à voir avec le binaire, c'est ce qu'on appelle le modèle sémasiologique, c'est-à-dire qu'un terme correspond à un autre terme. D'accord ? Et puis, vous avez l'autre modèle, qui est le modèle onomasiologique, les Français, ils ont mis du lore là-dedans, où, en fait, entre deux termes, on passe par un troisième pour pouvoir, effectivement, le traduire, le rapporter. Et donc, j'avais juste introduit dans le fait que cette question de la traduction, je parle par rapport aux mots, elle peut être très facilement, si on s'en tient aux mots, et uniquement au mot en tant qu'objet, elle peut être très rapidement démontée. On n'ira pas très loin, si vous voulez, dans le discours. On peut faire la lexicographie, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne sera pas dans la langue. On est obligé, à un moment donné, d'aller chercher autre chose. Et donc, c'est le fameux risque que j'évoquais tout à l'heure. Si on ne prend pas ce risque-là, en fait, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction possible. Voilà. Je voulais faire une remarque, parce qu'on a dit que la numérologie, la digitalisation avait tué quelque chose. Mais je pense que ça s'est passé avant. Parce qu'après Auschwitz, après les camps, il y a eu l'appel de l'espéranto. L'espéranto, c'était une langue qui aurait été une langue de communication. Mais pas forcément... Elle aurait pu être peut-être aussi, par ceux qui le maniaient très bien, peut-être une langue d'écriture. Certainement, il y a des gens qui ont écrit des romans en espéranto. Mais ça n'a pas marché. Et je crois qu'au fond de chacun d'entre nous, en tant que créateur, on aime ces différences entre les langues. Et justement, ce qu'elles nous obligent à faire, et ça a été très bien évoqué par Andrea, par vous aussi et par toi. Et donc, je pense que c'est ça, au fond, peut-être, notre part d'inconscient. On aime cette résistance, je dirais, de chaque langue qui nous oblige à quelque chose, à aller vers quelque chose qu'on cherche, je crois. Cette langue, c'est notre langue que vous évoquez. Bien, c'est une belle conclusion à cette table ronde. Je vous remercie.